Merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup pour votre invitation également. C'est très touchant de pouvoir parler de Corisande et de Catherine depuis ce lieu, ce château qu'elle a tant fréquenté et qu'elle a tant aimé aussi. Je suis effectivement originaire de Chalosse, du petit village de Sainte-Colombe, qui est juste à côté d'Ajetmaux, la ville de naissance de Corisande, ou plutôt Diane d'Andouin, avant qu'elle ne se rebaptise Corisande, mais j'y reviendrai, je vous expliquerai un petit peu son parcours, justement à la lumière de la littérature, puisque vous l'avez compris, je suis spécialisée en littérature, mais j'ai pas mal fréquenté l'histoire aussi, puisque, je peux vous le dire, hein, le lien entre ma spécialité et l'époque de Corisande, c'est que j'ai travaillé aussi, moi, sur la deuxième moitié du XVIe siècle, de l'autre côté de l'Atlantique, évidemment, mais j'ai travaillé sur les pirates et les corsaires, et il y en avait énormément de pirates et de corsaires originaires du sud-ouest, de la Gascogne, et notamment en lien avec les conflits religieux, les guerres de religion qui constituent le décor de mon roman. Alors, je vais un petit peu remonter aux sources du projet qui sont aussi les sources de ma vie. Hein. Je vais remonter à mon enfance et vous raconter un petit peu comment j'ai rencontré le personnage de Corisande. J'imagine que pour toutes et tous, ce nom vous est familier. Il y a beaucoup de rues, d'avenues, de collèges, de lieux publics qui s'appellent Corisande. On la connaît également comme la belle Corisande, la maîtresse d'Henri IV, un petit peu moins comme l'amie de Michel de Montaigne, le philosophe. En tout cas, on la connaît surtout comme une femme d'eux, un petit peu moins pour ce qu'elle a fait elle. Moi, c'est ce qui m'intéressait aussi, ce qu'elle a fait auprès d'Henri IV, auprès de Montaigne, mais aussi avant et après. Donc j'ai voulu un petit peu gratter le portrait, gratter la croûte du portrait. Je reviendrai d'ailleurs également sur le fameux portrait qu'on lui attribue, un petit peu pour vous présenter toute l'énigme du personnage. Donc ma rencontre avec Corisande, elle a eu lieu dans mon village, à Sainte-Colombe, au cœur de la Chalosse, puisque ma grand-mère, mes grands-parents, ma maman aussi, s'y présente, m'ont toujours parlé de la belle Corisande. Il y avait beaucoup de légendes autour d'elle dans le village. Il y a un bois, une forêt qui s'appelle Jouarbe, et où, dit-on, elle devait retrouver Henri quand il venait et qu'il s'arrêtait à une fontaine dite des Huguenots, afin que son cheval puisse boire. Donc il se retrouvait dans ces lieux. Il y avait également la source d'un petit ruisseau, du petit ruisseau qui traverse le village, qui s'appelle aussi le Laudon et qui s'appelle Source de Corisande. Et puis un petit peu plus loin, il y avait un lieu qui apparemment était leur lieu de rendez-vous et qui s'appelle Mirefleur. Ces termes Mirefleur, Corisande, j'y reviendrai également parce qu'ils sortent tout droit de la littérature. Je vous expliquerai cela. Alors, qui était Corisande bon, vous voyez le titre, parce que c'était elle, parce que c'était moi. Corisande et les femmes fortes, il était une fois dans les Landes. Cette phrase, parce que c'était elle, parce que c'était moi, elle vous dit peut-être quelque chose. C'est évidemment l'adaptation de cette fameuse phrase de Michel de Montaigne, hein, au sujet de son grand ami La Boétie, que j'ai féminisée. Puisque je vais revenir sur les histoires d'amitié, de réseau, de proximité entre les femmes à l'époque. Donc, je voulais vous présenter rapidement hein, qui est Diane d'Andouin, qui est née à Ajetmaux en 1554 et qui est décédée, on ne sait pas vraiment où, hein, sûrement entre le Pays Basque et Ajetmaux, en 1621, était baronne d'Andouin, vicomtesse de Louvigny, comtesse de Guiche et de Gramont par la suite, hein, suite à son mariage. On sait qu'elle est la fille de Paul d'Andouin, que vous avez ici représenté, et de Marguerite de Cona,
Donc vous avez les dates. Hein. Bon, c'est pas bien important. Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'elle a perdu ses parents très jeune. Elle était donc orpheline très jeune et son éducation a été prise en charge par des tuteurs. Elle a épousé en 1567 Philibert de Gramont et c'est là où elle est devenue comtesse de Guiche, puis ensuite de Gramont. Également mère de deux enfants, Antoine II de Gramont, hein, dit Antonin, qui est né aux alentours de 1572. Et puis de Catherine de Gramont, la cadette, qui est née un peu plus d'un an après, en 1573. Donc ça, c'est pour la biographie officielle, les dates qu'on connaît. Maintenant, on va rentrer dans un aspect de sa vie qui est un petit peu moins connu. On ne sait pas tout de Corisande, bien évidemment. On a quelques traces, notamment sa correspondance, quelques lettres. On a également, je reviendrai, hein, des travaux d'historiens prestigieux, spécialistes de la région, qui ont réalisé des travaux biographiques tout à fait complets. Sur lesquels je reviendrai aussi pour vous raconter. Moi, quel est mon projet? Donc, comme je vous le disais, je reviens à mon enfance et à ce personnage de Corisande. Moi, je ne le connaissais pas sous le nom de Diane d'Andoin. Hein. C'est après, évidemment, que j'ai découvert son identité officielle. Je l'ai rencontré à travers une forme de tradition orale, une forme de tradition orale, de légende locale, populaire, qui s'était certainement transmise de génération en génération. Quand ma grand-mère me parlait de Mirefleur et de Corisande, en fait, elle ignorait tout des origines de ces noms qui remontent à la littérature chevaleresque espagnole. Ça, je l'ai compris un petit peu plus tard, quand j'ai commencé justement mes études d'espagnol à l'université. Donc, comme beaucoup de personnes ici, je fréquentais, sans vraiment la connaître, hein, je fréquentais ce personnage que j'ai oublié et que finalement j'ai retrouvé lorsque je suis arrivée à l'université qui s'appelait autrefois Michel de Montaigne, aujourd'hui Université Bordeaux-Montaigne. Et c'est quand je me suis plongée dans la littérature classique espagnole que j'ai enfin compris qui était Corisande et que j'ai découvert certainement quelques clés qui nous éclairent apportent un éclairage sur le personnage dont on a très peu parlé ou quasiment pas parlé. Et moi, je suis partie de ce point de départ que je vais vous raconter maintenant. Donc ici, c'est une carte, une capture d'écran de cette zone entre Agedmo et Sainte-Colombe où on voit le lieu-dit Mirefleur, on voit la fontaine des Huguenots, le bois de Jouarbe, et donc ce lieu hautement marqué par la littérature chevaleresque. Alors, qui est donc Corisande? Pour savoir d'où vient ce prénom, déjà, on va découvrir un roman de chevalerie espagnol qui s'appelle L'Amadis de Gaulle. L'Amadis de Gaulle, c'est un très long roman de chevalerie du tout début du XVIe siècle qui a été écrit par Rodríguez de Montalvo, hein, publié en 1508, réédité tout au long du XVIe siècle. Dévoré par toutes les têtes couronnées, l'aristocratie d'Europe. C'était le best-seller de l'époque. Tout le monde connaissait Amadis, tout le monde lisait Amadis. Bon, pour celles et ceux qui connaissent Don Quichotte, c'est aussi Amadis qui a fait perdre la tête à Don Quichotte. Hein. À force de lire Amadis, il a voulu lui ressembler et devenir également chevalier errant. C'est pour vous montrer hein, l'impact de ce roman dans l'imaginaire européen. Et moi, quand j'ai découvert
Ce roman de chevalerie, eh bien, je suis retombée sur Corisande, puisque Corisande est un personnage de l'Amadis de Gaulle, tout comme Mirefleur est un lieu du roman de l'Amadis de Gaulle. Et ce qui m'a intéressée, ce sont les caractéristiques de ce personnage féminin romanesque, qui est tout à fait particulier par rapport aux autres personnages féminins de l'Amadis de Gaulle, puisque Corisande, la Corisande de l'Amadis, c'est une femme qui vit seule sur une île qui s'appelle Bravisande. Elle vit seule de manière très très libre. Elle choisit ses amants, notamment elle tombe amoureuse d'un certain Florestan, qu'elle va essayer de retenir tant bien que mal dans son île en organisant des tournois pour le divertir, hein, parce qu'il se tourne un peu en rond sinon. Mais voilà, ils vivent en concubinage, complètement hors mariage. Pour l'époque, évidemment, c'est quelque chose qui peut surprendre. Et donc, ça dure des années, jusqu'à ce qu'un jour, Florestan décide de partir en quête de son frère Amadis. C'est alors que Corisande se retrouve en seule, va vouloir le suivre. Donc elle part, elle voyage librement. C'est elle qui va partir également à la recherche d'Amadis, puisque elle va suivre Florestan, hein, mais ils ne voyagent pas ensemble. Et d'ailleurs, c'est elle qui retrouvera Amadis. Donc elle a un rôle quand même assez important dans le roman. Il y a un autre aspect qui m'a intéressée de ce personnage, c'est que c'est également un personnage savant. C'est une guérisseuse. C'est elle qui soigne les chevaliers quand ils sont blessés. C'est elle qui, quand ils sont... En plus, vous savez, les blessures de tournoi n'étaient pas toujours très, très jolies. Hein, et elle sait soigner, elle connaît l'art de la chirurgie. Et elle sait, comme on dit dans la traduction française de l'époque, elle sait médeciner. Hein, donc elle sait soigner. Par ailleurs, c'est un personnage aussi qui est... extrêmement libre dans son comportement, et lorsqu'elle va retrouver son Florestan, hein, bien plus tard, à la cour du roi Lisuard, elle va lui sauter au cou, l'embrasser devant tout le monde, sans aucune forme, et ça ne choque personne. Personne n'est surpris par son comportement, bien au contraire. Les autres personnages, aussi bien féminins que masculins, apprécient énormément Corisande. Et ils ont beaucoup d'affection pour elle. Elle est l'amie d'autres personnages du roman, d'autres personnages fondamentaux. Et ce qui est intéressant dans ce personnage, c'est que ce n'est pas un des personnages principaux, hein, du roman, parce qu'il va être à un moment donné évacué. Pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, mais elle va devoir revenir dans son île, à Bravisande, surtout parce que Florestan va en épouser une autre, la reine Sardamir. Et Corisande va donc à nouveau reprendre sa vie d'insulaire, de célibataire. Et on peut se demander, en fait, pourquoi un tel personnage littéraire aussi libre, aussi émancipé, au début du XVIe siècle ? Ben, certainement parce qu'ils existaient dans la vie, des personnages féminins comme ça. Hein, sinon, il aurait été peut-être mal reçu, ou reçu comme un personnage tout à fait transgressif, ou il aurait pu être condamné. Or, il a suscité beaucoup d'admiration. Pour preuve, Diane d'Andouin, en 1578, décide de se rebaptiser officiellement Corisande. Donc, ce n'est pas anodin, surtout que c'est un prénom qu'elle va porter jusqu'à la fin de sa vie, et elle va signer tous les documents avec ce prénom de Corisande. Elle va s'appeler Corisande d'Andouin, désormais. Donc évidemment, on peut imaginer, et c'est là où moi j'interviens en tant qu'autrice, hein, et je revendique le terme de l'époque, qu'on employait à l'époque justement, au XVIe. C'est là où j'interviens et je me dis que si ce personnage l'a autant marqué, c'est qu'elle avait peut-être quelques points communs avec ce personnage. En tout cas, qu'elle partageait certainement
un caractère ou bien des intérêts, un amour peut-être pour la liberté, pour l'envie de vivre comme elle l'entendait. Et ce point de départ, en fait, c'est également le point de départ de mon roman. Parce que Corisande, on la connaît surtout comme maîtresse d'eux, hein, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ça a été également, ou qu'on sait moins, c'est que ça a été également un cerveau, et elle a participé vraiment à la fabrique du roi et au rétablissement de la concorde entre les religions, les différentes religions du royaume de France. Donc, ça, c'est un premier point sur lequel je voulais revenir et qui m'a beaucoup intriguée. Et toutefois, hein, quand j'ai redécouvert le personnage pendant mes études, j'étais aussi prise par ma thèse de doctorat et je n'avais pas vraiment le temps de me consacrer à l'écriture d'un roman. Donc, je m'étais dit un jour, quand j'aurai le temps, peut-être que j'écrirai quelque chose sur Corisande. Donc j'ai laissé passer quelques années. Et puis, finalement, j'ai à nouveau retrouvé Corisande, mais cette fois-ci de manière très mystérieuse, très énigmatique, à partir de ce fameux portrait que vous connaissez sûrement, j'imagine, qui est le portrait qu'on utilise pour illustrer toutes les couvertures d'ouvrages, tout ce qui peut être consacré finalement à Corisande, à Corisande d'Andouin. Or, ce portrait est finalement très énigmatique parce que la personne qu'on identifie comme Corisande n'est pas Corisande. Et pourtant, Corisande est sur ce portrait. Donc, ici, il y a beaucoup de débats. Il y a beaucoup aussi de mystères. Je ne suis pas historienne de l'art, mais j'ai fait quelques recherches également pour essayer de... Parce que j'avais besoin de voir, d'imaginer comment était Corisande aussi, physiquement, à quoi elle pouvait ressembler. Et il se trouve que ce portrait, qui se trouve à Bayonne, au Musée basque et de l'histoire de Bayonne, a une histoire assez particulière, et notamment quant à la réalisation du portrait. Ce portrait a été attribué il y a peu à une artiste, une peintre italienne de Crémone qui s'appelle Sofonisba Anguissola. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle n'est pas très connue. Hein. Elle a été encore une femme du XVIe siècle, début XVIIe, complètement oubliée de l'histoire, alors qu'au XVIe siècle, c'est... une des plus grandes portraitistes de cour, c'est une star internationale en Europe. Elle est demandée partout pour peindre des têtes couronnées. Et elle est si connue, si célèbre, que Van Dyck va même réaliser un portrait d'elle lorsqu'elle est très âgée. Donc c'est vraiment une peintre qui a été complètement oubliée. Et d'ailleurs, ce portrait... ce tableau ne lui a été attribué que récemment. Avant, il était attribué à un peintre espagnol, masculin, comme d'ailleurs tous les autres portraits de Sofonisba Anguissola, parce que Sofonisba Anguissola était dame de compagnie et peintre à la cour d'Espagne. Elle était dame de compagnie d'Isabelle d'Espagne, c'est-à-dire d'Élisabeth de Valois, la fille de Catherine de Médicis, l'aînée qui avait épousé Philippe II d'Espagne. C'était sa dame de compagnie et c'était également son professeur ou sa professeuse, comme il faudrait dire, de peinture, de dessin, qu'on disait autrefois. Hein. Je vais adapter les termes à l'époque. Et donc, Sofonisba Anguissola, étant noble, étant femme, elle n'avait pas le droit de signer ses tableaux,
Donc, c'était les peintres de cour hommes qui signaient les tableaux de Sophonisba Anguissola. Alors, il y en a beaucoup qui se trouvent au Prado. Au Prado, il y a eu beaucoup de recherches qui ont permis de restituer les tableaux à leur créatrice. Je vais vous montrer deux autres tableaux qui sont formellement, qui identifient formellement Diane aux Corisandes d'Andouin. Les voici. Donc, on a un anonyme des années 1590 où il est marqué en haut, clairement, Diane d'Andouin, comtesse de Guiche et de Gramont. Et celui-ci est un autre portrait attribué à Étienne Dumonstier dans les années 1600, qui était un peintre de la cour de France. Donc vous voyez, on voit une certaine ressemblance, même si évidemment il y a un écart, puisque les personnages ont vieilli, mais on voit quand même qu'il y a une même forme de visage, un petit peu carré, une même petite bouche, un même nez, les sourcils, les yeux sont identiques, l'implantation des cheveux est un petit peu pareille. En revanche, quand on regarde ce portrait, on se dit que la grande dame brune en pied, elle ne lui ressemble pas vraiment. Mais si je vous montre maintenant, alors ça c'est le portrait en pied de Diane d'Andouin, comtesse de Guiche et de Gramont. Si je vous montre ce portrait, peint également par Sophonisba Anguissola, et qui représente Elisabeth de Valois tenant un portrait de Philippe II qui se trouve au Prado, ou bien cet autre portrait, à nouveau, peint par Sophonisba Anguissola, qui représente à nouveau Elisabeth de Valois ou Isabelle d'Espagne, et bien là, on voit la ressemblance. On voit que la ressemblance est quand même toute frappante. Et puis aussi, également, au niveau du vêtement. Le vêtement noir que porte le personnage principal est typique de la cour d'Espagne de l'époque. Donc, ce portrait, également, on a la colonne, qui est un attribut des Habsbourg, c'est-à-dire de la dynastie espagnole régnante, qu'on retrouve sur les portraits royaux. Donc, ici, on se trouve très certainement en présence de la reine d'Espagne. Il y a un autre personnage sur ce tableau, sur lequel je vais revenir et que je voudrais vous présenter après. Mais tout d'abord, je voulais vous dire que ce tableau a été réalisé en 1565. C'est également la réalisation, le second tableau de la reine d'Espagne que je vous ai montré. Il est également dans ces mêmes dates. On voit quelques petite nuance près, qu'il s'agit de la même personne, et le portrait postérieur également, de ces mêmes années-là. En 1565, Élisabeth de Valois, reine d'Espagne, se trouve à Bayonne. À ce moment-là, en juin-juillet 1565, il y a eu une rencontre très importante à Bayonne entre Catherine de Médicis, ses fils, et les représentants de la couronne d'Espagne. Donc Philippe II n'est pas venu. Il avait envoyé le duc d'Albe et sa femme, qui était donc la fille de Catherine de Médicis, et qui donc était très certainement accompagné de Sophonisba Anguissola, qui était sa dame de compagnie. Et ce tableau n'a, pense-t-on, jamais trop quitté la région, le Pays Basque. Donc, comment a-t-il été réalisé? Pourquoi? Il y a beaucoup de mystères autour. Il faudrait vraiment faire des recherches beaucoup plus détaillées, en profondeur. Mais
Dans tous les cas, on sait que dans cette rencontre de Bayonne, qui faisait partie du grand tour de France qu'avait entrepris Catherine de Médicis, ses enfants, pour présenter justement le jeune roi à toute la France, il y avait cette étape très importante de la rencontre entre deux grandes couronnes catholiques, hein, la couronne d'Espagne et la couronne de France, au moment où évidemment les guerres de religion étaient un véritable problème qui inquiétait énormément d'ailleurs la couronne d'Espagne. Et il fallait ici, les Espagnols voulaient en gros mettre la pression sur la couronne de France pour serrer la vis quant aux réformés, c'est-à-dire aux protestants. Donc c'était une rencontre également politique, hein, en plus des retrouvailles familiales, c'était une rencontre hautement politique. Et évidemment, à Bayonne, qui est-ce qu'on retrouve parmi les acteurs principaux, et pas loin dans le Pays Basque, on retrouve le comte de Gramont, le beau-père de Corisande, qui avait d'ailleurs reçu à son château de Bidache la cour de France quelques jours plus tard. Donc on sait qu'il était aux premières loges et qu'il était extrêmement présent pendant ces événements. On est en 1565, deux ans avant le mariage de, à cette époque-là, Diane d'Andouin et Philibert de Gramont, le fils. Et on sait que le père, le comte de Gramont, était un protestant très pragmatique. S'il fallait devenir catholique ou s'allier avec les catholiques, bon, t'es prêt à négocier, hein, alors que son épouse était une protestante beaucoup plus rigoureuse. De fait, il était tout à fait prêt à négocier puisque son fils Philibert était protestant et Diane d'Andouin était catholique. Donc on avait un mariage biconfessionnel qui se préparait et qui était évidemment aussi stratégique et politique pour la région puisqu'il s'agissait de jouer un peu sur les deux tableaux, hein, à s'attirer les faveurs de la couronne de France, de Catherine de Médicis, et puis s'attirer tout de même, hein, ne pas se mettre à dos les protestants de la région. Donc ça, c'est un peu pour le cadre politique de ce tableau. Et en fait, maintenant, pour en venir au dernier personnage, si on regarde d'un petit peu plus près cette petite fille, ici présente sur le tableau, et je pense que j'ai dû faire voyons, est-ce que je l'ai un petit peu plus loin pour qu'on voit d'un peu plus près son visage? Attends, voilà, on va la voir un petit peu après. Ça, c'est la peintre Sofonisba Anguissola, qui était la portraitiste. Donc, elle est représentée en autoportrait à gauche. Et là, voilà, on a le visage de l'enfant. Et comme vous pouvez voir, la ressemblance avec le portrait qui identifie clairement Corisande, Diane d'Andouin, comtesse de Guiche et de Gramont, est quand même assez frappant. On a la même couleur de cheveux, un espèce de blond vénitien roux, on a des yeux clairs, vert sûrement ou bleu, on a les mêmes sourcils, le même nez, le même visage un petit peu carré, la même petite bouche, la même implantation de cheveux, on a presque les mêmes couleurs de vêtements. Et c'est là où je me suis dit, mais oui, c'est le portrait, c'est la représentation de Diane d'Andouin. Mais Corisande n'est pas celle que l'on croit sur ce portrait. C'était sûrement cet enfant. Et d'ailleurs, en 1565, Diane d'Andouin, qui était née en 1554, avait 11 ans. Donc, elle ne pouvait pas être la grande dame vêtue comme la reine d'Espagne. Et pourquoi elle, ce ne serait pas cet enfant ? Alors, qui est très petite, hein, sur le portrait, mais c'est tout à fait habituel des portraits de cour à cause des rangs. On peut représenter des suivantes, des personnages un petit peu plus petits par rapport à une infante ou à une reine ou un roi. Hein. On peut changer les proportions. Mais mon idée à moi, c'est que Corisande, c'est elle. Surtout que ce portrait est resté dans la famille de Gramont pendant des décennies. Pourquoi serait-il resté dans la famille si
elle n'était pas sur le portrait s'il n'y avait pas un lien particulier. Si c'était un portrait de la reine d'Espagne, bah, il serait au Prado aujourd'hui, hein, il ne serait pas à Bayonne. Donc ici, il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne peux pas vous dire quoi. J'en propose une version dans mon roman que j'ai imaginée. Mais pour moi, il y a eu une rencontre aussi très importante entre Diane d'Andouin, Isabelle d'Espagne et Sofonisba Anguissola. Qui toutes, Isabelle d'Espagne la première, était une très grande lectrice d'Amadis, de Gaulle aussi. Donc ça, je n'en dis pas plus parce que sur le plan historique, je ne peux pas vous donner de réponse. En revanche, sur le plan littéraire, je peux me permettre d'imaginer des choses vraisemblables, hein, peut-être véritables, ça je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai essayé de m'approcher aussi du personnage de Corisande à travers ce portrait. Et donc, c'est un autre aspect des femmes fortes. Il y en a plusieurs. Il y a une peintre, il y a Corisande, il y a une reine d'Espagne. Mais il y en a d'autres également dans le roman. Donc je ne veux pas vous en dire plus hein, sur ce portrait. Il y a eu beaucoup d'hypothèses, mais je pense que vraiment toutes les hypothèses, on a voulu dire que le fameux portrait de Bayonne pouvait représenter aussi Madame de Gramont et sa fille, mais Madame de Gramont ne ressemble pas à ça. Elle n'était pas brune déjà, elle était blonde sur les autres portraits qu'on a, donc l'hypothèse ne tient pas. Aucune hypothèse ne tient véritablement, si ce n'est l'hypothèse que Diane d'Andouin ou Corisande était cette enfant sur le portrait. Alors voilà, qu'une jeune catholique en 1565 pose auprès d'une grande reine catholique. Qu'est-ce que ça a pu signifier au niveau politique? Pourquoi réaliser ce portrait au niveau politique, vu le contexte de la rencontre, vu le contexte de la région, hein, avec les protestants, les catholiques, sûrement beaucoup de choses étaient en jeu, et c'est un portrait qui est en partie, très certainement, politique. Je regarde le temps pour ne pas trop me laisser dépasser par le temps. Alors, maintenant, si vous le voulez bien, on va en venir à une autre relation qui m'a intéressée particulièrement. C'est celle qui a uni Corisande et Catherine de Bourbon, la sœur d'Henri de Navarre. Ces deux femmes se connaissent depuis toutes jeunes. Corisande et Philibert de Gramont se sont mariés ici, au château de Pau, en présence de Jeanne d'Albret, en présence de ses enfants, d'Henri et Catherine. Donc ils se connaissent vraiment depuis qu'ils sont tout petits, qu'ils sont très jeunes. Et ils ont finalement hein, toujours fait partie d'un même cercle. Et on a énormément, pour de bonnes raisons, et les raisons qu'on connaît, hein, parlé de la relation entre Henri et Corisande. Mais on a très peu parlé de la relation entre Catherine et Corisande, qui finalement ont passé beaucoup plus de temps ensemble que Henri, qui était tout le temps par Mons et par Vaux. Elles ont passé beaucoup plus de temps ensemble que Henri et Corisande. Alors, cette relation entre les deux femmes, elle transparaît dans la correspondance de Corisande à Henri. Dans les lettres qu'on a pu conserver, et d'ailleurs, c'est très intéressant de les consulter, on peut les consulter sur Gallica, hein, puisque la Bibliothèque nationale de France numérise beaucoup de manuscrits. On a accès à ces lettres, et on a accès à des lettres très intimes, finalement, qui ont été conservées, des lettres qu'envoyait Corisande à Henri. On a gardé, évidemment,
les lettres du roi aussi, hein, pour Corisande. Mais à travers les lettres de Corisande, on voit très souvent qu'elle parle au roi de sa sœur. Donc elle semble être proche d'elle, elle se soucie d'elle, hein, bien souvent, beaucoup plus que son frère. Et ça nous donne un indice, évidemment, des liens d'amitié qu'avaient dû tisser ces deux femmes. Je ne sais pas si vous connaissez l'ouvrage de Raymond Ritter, l'historien, un spécialiste des Pyrénées, hein, bon, et de la Renaissance, hein, française, consacré à Corisande d'Andouin, qui est un très très bon, pour moi c'est le meilleur ouvrage, hein, en termes d'ouvrage historique consacré à Corisande. Il parle, hein, de cette relation entre Catherine et Corisande, mais pour moi il ne la met pas assez en valeur à la lumière de l'histoire des femmes en France. Pourquoi je parle de l'histoire des femmes? Parce que je pense que vous, comme moi, on a appris essentiellement l'histoire à partir de la vie et des faits, ce qu'on appelle les grands hommes, les rois, les penseurs, les philosophes, en oubliant qu'il y avait aussi, à l'époque, des grandes femmes qui ont tout aussi œuvré dans tous les domaines, aussi bien en politique que dans les arts. Vous avez vu l'exemple de Sophonisba Anguissola. Eh bien, cette histoire, elle est depuis déjà plusieurs années étudiée, et on se rend compte que c'est davantage une mise sous silence qui a eu lieu que une absence de femmes. Et ça, ce ne sont pas les historiens d'aujourd'hui qui le disent. À l'époque, c'était déjà dit. Et je voulais vous lire, je voulais vous montrer cette citation qui est placée en exergue de mon roman, qui est un extrait de l'autre grand best-seller du XVIe siècle que tout le monde lisait, qui est le Roland Furieux, qui est un roman en vers, écrit en italien, de l'Arioste, de Ludovico Ariosto, qui a été publié en 1516, vous voyez, au tout début du XVIe siècle. Ici, on a une traduction française de 1880. Et voici ce qu'écrit, je vais vous lire quelques extraits, ce qu'écrivait l'Arioste dans son roman. Et si elles avaient pu elles-mêmes transmettre à la postérité le souvenir de leurs propres mérites, sans avoir besoin de mendier l'aide des écrivains, au cœur rongé par la haine et l'envie, et qui, la plupart du temps, passent sous silence le bien qu'ils peuvent en dire, tout en publiant partout le mal qu'ils en savent, leur renommée aurait surgi, plus éclatante peut-être que ne le fut jamais celle des hommes illustres. Alors, il parle des femmes en général, mais ici, il parle de deux femmes en particulier de son roman. Ô femmes désireuses de produire de belles œuvres, poursuivez imperturbablement votre chemin. Ne vous laissez point détourner de vos entreprises par la crainte de vous voir refuser les honneurs auxquels vous avez droit. De même qu'il n'y a pas de bonnes choses qui durent toujours, les mauvaises ne sont point éternelles. Si jusqu'ici les œuvres des écrivains ne vous ont pas été favorables, elles le sont de nos jours. En somme, mesdames, je conclus qu'à tous les âges, beaucoup d'entre vous ont été dignes d'être mentionnés par l'histoire, mais que, grâce à la jalousie des écrivains, vous êtes retombés dans l'oubli après votre mort. Il n'en sera plus ainsi, car vous immortalisez vous-même vos propres vertus. Si les deux belles sœurs avaient su faire de même, nous connaîtrions bien mieux aujourd'hui leur haut fait. Les deux belles sœurs, ce sont ces héroïnes, Bradamante et Marphise, les héroïnes du Roland Furieux, dont j'ai beaucoup de peine à remettre en lumière les éclatantes prouesses, car 9/10 me sont inconnues. Je rapporte volontiers celle que je sais, autant parce qu'il est bon de divulguer le plus possible toute œuvre grande que parce que je désire vous plaire, mesdames, vous que j'honore et que j'aime. » 1516. Hein. Déjà, il était beaucoup de personnes avaient conscience qu'on voulait effacer les femmes de l'histoire. Hein. Et en fait, il se trouve qu'on était en plein débat à l'époque. À ce sujet-là.
quelle est la place des femmes ? On est en pleine querelle des femmes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la querelle des femmes. C'est un long débat de plusieurs siècles qui a lieu en Europe depuis, en gros, Christine de Pisan, hein, début du XVe siècle, qui avait posé la question de l'éducation des femmes. Hein. Est-ce que les femmes avaient... Pourquoi elles n'avaient pas droit à la même éducation que les hommes ? Et qui également avait posé, ainsi que d'autres, la place des femmes par rapport au pouvoir. Cette querelle des femmes a été particulièrement étudiée par une historienne de la Renaissance française, spécialiste de littérature, qui s'appelle Éliane Viennot, qui est spécialiste notamment de la reine Margot, celle que Alexandre Dumas a appelée la reine Margot. Je vais en venir hein, au titre, Les femmes fortes, pourquoi les femmes fortes aussi, de mon roman. Éliane Viennot a montré hein, que ce débat de la querelle des femmes, qui a gagné toute l'Europe, a duré jusqu'au début au XVIIe siècle. Il a pris fin au XVIIe siècle. Et ce débat, il a opposé deux camps. Les misogynes et les philogynes. Les philogynes, comme l'Arioste, étaient ces personnes qui disaient que les femmes avaient droit, hein, plus ou moins, hein, mais avaient droit aux mêmes égards, à la même reconnaissance que les hommes. Les misogynes étaient ceux qui voulaient les écarter du pouvoir, et les écarter, en gros, de tous les domaines, les arts, les universités, le savoir. Bon, les universités, elles ne pouvaient pas y aller, hein, mais l'éducation, etc. Bon, c'est ce camp-là qui s'est imposé. C'est le mot qui est resté, d'ailleurs, dans le vocabulaire. Philogyne, on l'a oublié, c'est dommage. Misogyne, on l'a gardé. Donc, la langue est aussi témoin de l'histoire. Et alors, il se trouve que à cette époque... de la querelle des femmes, donc très très rapidement. Hein. Le problème se pose au moment des régences et justement quand les femmes approchent un peu trop près du pouvoir, les clercs, les lettrés qui s'imposent un peu comme la nouvelle administration en France vont vouloir garder la main sur le pouvoir et vont imaginer hein, clairement un discours misogyne pour dénigrer les femmes, dire qu'elles ne sont pas intelligentes, elles n'ont pas de qualité, elles ne sont pas aptes au pouvoir, elles sont frivoles, elles sont... Enfin bon, voilà. Ils vont sortir d'un vieux tiroir une loi qui s'appelle la loi salique, qu'ils vont réviser, hein, parce que la loi salique originale, elle n'a rien à voir avec la loi salique qu'on a appliquée après en France. Hein. Ils vont la revisiter pour expliquer que les femmes n'ont pas le droit d'hériter du trône, hein, contrairement à d'autres couronnes, hein, en Castille, en Angleterre, voilà. Même en Navarre. Hein. Ce débat va avoir hein, des moments culminants, puis après il va s'éteindre un petit peu, va avoir à nouveau, il va revenir sur le devant de la scène. Et en fait, il y a un moment hein, en France qui va être important, et ce moment, c'est justement la succession, une fois que le dernier Valois va tomber. Et là, on sait qu'on a le candidat Bourbon, hein, Henri, qui est sur les rangs. Et justement, cette loi salique va lui être tout à fait favorable, hein, puisqu'elle va lui permettre... d'accéder finalement au trône de France et d'imposer une nouvelle dynastie. Donc, ce débat, hein, il a lieu en France, il a lieu et je l'ai aussi, je m'en suis aussi beaucoup inspirée justement pour mes femmes fortes.
Les femmes fortes, c'est une expression à l'époque. On parle de femmes fortes ou de femmes illustres. Et ce sont des galeries de portraits qui sont soit littéraires, soit représentés sur des tapisseries ou dans des peintures de femmes illustres qu'on montre comme des référentes et pour montrer que, évidemment, les femmes aussi peuvent prendre les armes, monter à cheval, défendre leur fief, gouverner, etc., etc. Et à ces galeries de femmes fortes, de femmes illustres, répondent évidemment des arguments extrêmement misogynes qui vont toucher à la fois l'aristocratie, en montrant hein, qu'on va inventer l'imbecilitas sexus, hein, le sexe faible, hein, l'expression pour montrer que elles ne sont pas fortes, voilà, contrairement à ce que d'autres disaient. Et puis, on va également, pour les femmes un petit peu moins, qui ont moins de pouvoir, développer toute une argumentation en utilisant la sorcellerie hein, comme argument pour écarter les femmes de certains domaines. Donc c'est concomitant, hein, cette montée des accusations de sorcellerie, notamment, surtout au début de l'époque moderne, hein, bien plus qu'à l'époque médiévale, encore au XVIe et XVIIe siècle, c'est vraiment concomitant des grands moments du débat de la querelle des femmes, mais qui touche beaucoup plus les femmes des secteurs populaires. Les femmes des secteurs populaires, elles sont également présentes dans mon roman, parce que je voulais en parler aussi. C'est beaucoup plus difficile de reconstituer leur histoire parce qu'elles laissent beaucoup moins de traces, hormis dans les procès. Mais justement, j'ai introduit quelques personnages fictifs auprès de personnages historiques pour montrer que les réseaux, l'entraide aussi entre femmes, parfois de différentes religions, c'est le cas de Catherine et Corisande, de différentes classes sociales ou de différentes castes, pouvaient exister. Hein, et ça a été prouvé, ça apparaît dans des personnages littéraires. Donc pour en revenir à Catherine et Corisande, Catherine et Corisande, c'est vraiment l'histoire d'une amitié qui se joue ici entre la Chalosse et le Béarn, puisqu'elles vont passer énormément de temps ensemble, quand Henri notamment n'est pas là, et puis quand il est là aussi. Hein. Catherine a sûrement un petit peu œuvré pour rapprocher Corisande et Henri. Elle a toujours été présente quand Henri n'était pas là et qu'elle assurait la régence. Corisande était souvent à ses côtés, donc on peut penser qu'elles ont très certainement beaucoup gouverné, parlé politique, religion ensemble, en plus de s'adonner à leur passion qui était la musique et la poésie. On sait que il y a un épisode qui est très important dans la vie de Catherine et qui va être aussi important pour celui de Corisande. C'est que Catherine de Bourbon, en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais elle va se marier très très tard. Elle va se marier à 39 ans avec le duc de Bar, hein, en Lorraine, du duché de Lorraine. Elle n'a jamais pu se marier avant, hein. Ce n'était pas qu'elle ne le voulait pas, mais c'est que son frère ne voulait pas. Parce qu'elle était très utile à son frère comme pion. Alors, une fois, je vais la marier avec un tel d'Écosse, une autre fois, je vais la marier avec un tel d'Angleterre, je vais la marier avec un tel de... Voilà. Donc, c'était un pion sur l'échiquier politique d'Henri. Et ce, malgré sa volonté, son désir. Et à un moment de sa vie, elle est tombée amoureuse, Catherine, de son cousin, Charles de Bourbon, comte de Soissons. Et c'était apparemment réciproque. Et au début, Henri était assez favorable à cette union. Et puis, les vents politiques et les intérêts ayant changé, il est revenu sur son opinion. Et donc, pendant des années, Catherine a espéré, elle a vraiment souhaité tout faire pour pouvoir convaincre son frère. Corisande est intervenue, impossible de faire fléchir Henri. Jusqu'à ce qu'un jour, comprenant qu'il avait vraiment changé d'avis à son sujet, Corisande a pris beaucoup de risques
pour réunir Catherine et Charles, et leur faire signer des promesses de mariage contre l'avis du roi. Et elle s'est attirée les foudres d'Henri, et notamment, qui a notamment conduit à une disgrâce momentanée, mais à une disgrâce officielle, publique. Donc, on peut penser que cet épisode montre aussi la teneur du lien qui les unissait, de leur amitié, hein, puisqu'elle a été jusqu'à jouer son honneur, elle a été jusqu'à jouer finalement sa réputation officielle, publique, auprès d'une personne qui était très importante pour elle, hein, qui était Henri, qui était sur le point de devenir roi de France. Ce geste qui a donné lieu à des correspondances, et on voit la correspondance d'Henri qui écrit à Corisande en lui disant très très fermement que quiconque se placera entre lui et sa sœur, il ne la pardonnera jamais. Donc on sait que ça a été une affaire, sûrement avec d'autres histoires dessous, mais ça a été une affaire qui a beaucoup exposé Corisande, qui a joué un peu le tout pour le tout pour Catherine. Et donc ça, on peut se dire que la relation qui les unissait était très profonde. C'était une relation d'amitié vraiment, comme il y en avait beaucoup. Les femmes n'étaient pas isolées. Au contraire, les femmes étaient très souvent réunies. Les hommes étant à la guerre ou partant souvent en mission diplomatique, les femmes se retrouvaient, les femmes parlaient, les femmes pensaient. Les femmes réfléchissaient, les femmes gouvernaient, souvent ensemble. C'est quelque chose qu'on oublie, mais elles n'étaient pas du tout isolées. Il y avait beaucoup de réseaux, elles s'écrivaient énormément. Il y avait beaucoup de correspondances. Elles s'écrivaient, elles se lisaient. Et c'était un aspect aussi de cette histoire sur lequel je suis revenue et qui... finalement, est une relation qui a duré beaucoup plus longtemps que la relation qui a uni Corisande et Henri, et dont on n'a pas tant parlé. Et Catherine était un personnage aussi tout à fait fascinant, qui était une protestante assez, très convaincue, mais qui aimait aussi les arts, qui était gay, qui était un personnage très joyeux, plein de vie, qui, une fois qu'elle est arrivée à la cour de France, n'a jamais montré ostensiblement qu'elle était protestante. C'est un personnage assez haut en couleur qui malheureusement pour elle était née femme et donc pion de son frère à cette époque-là. Et elle a eu une fin assez triste malgré le fait d'avoir été entourée de ses amis, mais justement, sa fin est triste parce qu'elle part. Avec son mariage, elle s'éloigne, elle part, elle quitte ses amis. Voilà, donc, c'était un petit peu ce que je voulais vous présenter du point de vue historique. Je ne veux pas trop en révéler du point de vue romanesque, parce que je me suis permis d'imaginer beaucoup de choses, mais toujours dans un cadre historique... qui a fait l'objet de beaucoup de recherches pour que ce soit toujours vraisemblable. Mon idée, ce n'était pas d'écrire un livre d'histoire, vous l'aurez compris, mais plutôt l'histoire qu'on ne pourra jamais écrire hors de la littérature. C'est vraiment l'idée de prendre en compte les angles morts de l'histoire, notamment concernant les femmes. Et cette histoire, finalement, c'est celle qu'ont gardé aussi des mémoires de tradition orale, celle qui imagine les marginales du récit historique, celle qui est possible, vraisemblable, mais pas avérée, mais aussi celle qui change le regard, qui rebat les cartes et qui bouscule les commodités d'une histoire parfois un peu trop figée. Donc, ces réflexions... D'abord pour moi, elles ont éclairé sous un nouveau jour le personnage de Corisande, dont j'ai partagé la mémoire pendant tant d'années,
avant de me lancer dans l'écriture de ce roman, dans lequel la figure de Corisande prend une nouvelle dimension, qui est, je crois, ce qu'elle aurait voulu. C'est qu'après s'être créée comme personnage romanesque, elle en est devenue un, finalement. Elle est ma Corisande romanesque, cette fois-ci. Voilà, je vous remercie.